Si t'as pas un esprit millionnaire, à aucun moment tu vas devenir millionnaire. Donc je sais pas pourquoi tout le monde sous-estime ce truc-là ou il calcule pas. Moi par exemple, si jamais j'ai un échange avec quelqu'un, je peux tout de suite te dire si jamais il va devenir millionnaire directement. Même si moi je ne suis pas millionnaire. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu veux. Abonne-toi mon gars. Abonne-toi, clique sur la cloche, mets un j'aime si jamais parce que tu vas aimer, tout simplement. À un moment donné les gars, c'est satisfait remboursé, tu sais que j'aime dire ça. Si jamais t'aimes pas la vidéo, ben, tu peux toujours retirer ton j'aime à la fin. Je veux dire, il suffit de cliquer deux fois. Ah, tu savais pas ça. Et si tu cliques et tu cliques deux fois, ça s'en retire. Ok, voilà. Donc bah, laisse-le quand même. Ok. Ici c'est Jonathan Hachi. Si jamais tu veux arriver sur la chaîne, l'idée c'est quoi? C'est revitaliser le taux de testostérone quand même, hein, parce qu'on ne sait plus qui est qui. Hein, et de faire de l'oseille. Ok, être libre. En fait, c'est plutôt faire être libre en vérité. Ok. Et du coup, bah, il faut faire de l'oseille. Voilà. Donc tu es libre de pouvoir accéder à mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine. Si tu n'as pas fait 20K en une semaine, je ne sais pas pourquoi tu bégayes, pourquoi tu ne prends pas. Je sais pas, avant de crier arnaque, regarde, jette un coup d'œil. Et après, remets. Et si jamais tu vois que c'est du mensonge, tu reviens dans les commentaires, tu mets arnaque. Et là on est bon. Okay? Mais jette un coup d'œil quand même. Tu verras que du coup, peut-être que c'est pertinent. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Je ne voudrais pas heurter ta sensibilité. Mais peut-être que les gars qui ont des résultats que toi tu n'as pas, c'est peut-être parce qu'ils savent des choses que tu ne sais pas. Je sais que tout le monde est sensible aujourd'hui, on ne peut rien dire. Hein, on fait des blagues sur la calvitie des gens. Enfin, c'est pas la calvitie, l'alopécie. Et des gens veulent gifler des gens. Bon, moi, je sais plus, mais on sait plus, on peut plus rien faire. On peut plus faire de blagues. Ok, bon. Et deuxième chose que je te propose, c'est ma formation Pirate Marketing, okay, qui est 100% financée. Okay, donc, Pirate Marketing, je partage toutes ces stratégies pour pouvoir te permettre d'atteindre au minimum les 5K par mois. Okay, il suffit juste de suivre et le temps travaille pour toi. Voilà. Tu charbonnes et le temps va travailler pour toi. Voilà, c'est pas compliqué. Par contre, ça va demander de charbonner, les gars. Hein, n'allez pas dire oui, j'ai dit, Jonathan a dit ça va être facile. Non, pas dit que ça va être facile. Je te donne toutes tes stratégies, tu as tout. Pour les gens qui sont déter et qui ont encore un peu de testostérone, ça devrait passer. Normalement, il n'y a pas de problème. Easy. Okay? Pour les autres, ah, je sais pas. Si tu ne sais pas encore, tu te cherches. Voilà, ça c'est encore autre chose. Ok, donc, en tout cas, pour savoir si est-ce que tu as du CPF ou pas, est-ce que tu as du financement, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe. Et on va, tu vas poser toutes tes questions. Est-ce que j'ai du CPF? Comment ça se passe? On va t'accompagner de A à Z pour pouvoir faire le dossier. Et on donnera après les accès à Pirate Marketing. Et après, il faudra charbonner. Il n'y a pas de secret. Ok, les gars, et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Évry dans le 91, dans le quartier des Pyramides. Plus précisément, j'ai redoublé mon BEP. Ok, ça fait plus de 3 ans que je voyage aujourd'hui et que je suis libre. Donc, les gars, arrêtez de chialer et passez juste à l'action. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment avoir un esprit millionnaire? J'ai envie de parler de ça, le concept d'avoir un esprit millionnaire, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un concept qui est complètement sous-estimé, en fait. Qui est complètement sous-estimé, alors que, en fait, en vérité, si jamais tu n'as pas un esprit millionnaire, à aucun moment tu vas devenir millionnaire. Donc, je ne sais pas si c'est ton objectif de devenir millionnaire. Je veux dire, ce n'est pas l'objectif de tout le monde, hein, mais ça peut toujours être cool d'être millionnaire. Hein. En plus, finalement, 1 million de nos jours, c'est pas tant que ça. Hein, franchement, tu les crames vite fait. Si c'est pas en mode de cramer, tu les crames vite fait. Et si c'est en investissement, même si tu places 1 million en investissement, ça ne te fait pas tant que ça. Imagine que tu fais 10% de ton investissement, ce qui est déjà beaucoup, énorme. Okay, que tu places les 1 million, parce que c'est quand même risqué que tu essaies de placer à 10%. Mais bon, c'est possible. Ça se trouve. Ouais, c'est vrai, ça se trouve. Mais voilà, imagine que tu investis à 10% 1 million. Bah, ça te fait quoi? Ça te fait un peu moins de 10K. Pour moins de 10K par mois. Donc tu vois, 1 million, c'est pas que ça soit en dépense normale. Tu dis que si tu veux cramer tes 1 million, ça va aller super vite. Hein, ça, je te fais confiance, il n'y a pas besoin de faire de calcul. Ça se crame vite. Et si jamais tu le mets en investissement, ça te fait quoi 9 000 euros à peu près par mois. Donc c'est pas non plus un truc de ouf. Et en plus, je t'ai pris à 10%. Donc si tu pars après sur du 6%, 7% pour être plus sécure, genre avoir des investissements, je veux dire un peu plus sécure, voilà, tout simplement, eh ben, ça t'aura beaucoup moins. Donc 1 million, c'est pas tant que ça. Mais bon, bref, en tout cas, ça vaut le coup quand même. Je veux dire, dans le temps de l'humanité, je pense qu'on est dans la meilleure période pour pouvoir atteindre le million. Est-ce que ça veut dire que ça va être facile? Non, je dis pas ça. Mais je dis, c'est en tout cas pour les gens comme nous qui partent d'en bas. Je veux dire, on vit dans une ère où c'est le meilleur moment où on peut faire 1 million. En tout cas, voilà. À l'époque, il fallait avoir des franchises, je sais pas. Maintenant, il y a Internet, il y a des cryptos.
Ok, la blockchain. Donc aujourd'hui, enfin, je veux dire, il n'y a pas mieux. Mais donc, du coup, pour revenir sur le concept de un esprit millionnaire, si tu n'as pas un esprit millionnaire, à aucun moment tu vas devenir millionnaire. Donc, je ne sais pas pourquoi tout le monde sous-estime ce truc-là ou il ne calcule pas. Moi, par exemple, si jamais j'ai un échange avec quelqu'un, je peux tout de suite te dire si jamais il va devenir millionnaire directement. Même si moi, je ne suis pas millionnaire encore. Tu vois? Et des personnes qui sont millionnaires peuvent savoir si jamais moi, je vais devenir millionnaire ou pas. Okay? Pourquoi? Parce que d'abord, tu as un esprit millionnaire. Et quand tu as un esprit millionnaire, bah, tu agis d'une manière différente, tu penses d'une manière différente. Tu vois? Et c'est cette manière de penser qui fait que du coup, tu sais que genre, bah, cette personne-là, forcément, à un moment donné, elle va devenir millionnaire. Tu vois? Donc oui, même si moi, je ne le suis pas encore, si je vois un gars, je saurais dire, ah ben lui, il va le devenir. Tout simplement parce que sa manière de penser, ce qu'il va dire, les commentaires qu'il va mettre, son éthique de travail, sa discipline, ce qu'il fait au quotidien, ok, je saurais. C'est comme si jamais je vais à la salle de sport, je veux dire, même si par exemple, je sais pas, moi j'ai un an d'avance sur un gars, je sais pas, moi on a tous les deux l'intention de devenir super balèze, j'ai un an d'avance sur un gars de la muscule, parce que ça fait déjà un an que je m'entraîne sérieusement, donc du coup je commence à progresser, je prends du muscle, etc. Nanana, mais on va dire, je sais pas, je suis encore à 10 kilos de mon objectif. On va dire, voilà, on va dire tous les deux, on a l'intention de prendre 20 kilos, ok? Moi, ça fait un an que j'ai commencé, j'ai déjà pris 10 kilos. Lui, vient à peine de commencer, il a pris 2-3 kilos, ok? Mais je vois qu'il a une bonne diète, je vois qu'il vient à la salle tous les jours. Bon, t'as pas besoin de venir tous les jours, mais bon, bref. Il vient au moins 5 fois par semaine à la salle, il a une bonne diète, il est déter. Dans son état d'esprit, je vois que c'est un gars déter, qui va rien lâcher, qui saute pas une séance, qui se trouve pas d'excuses, etc., etc. Bah lui, je suis capable de te dire, même si moi, je n'ai pas atteint encore l'objectif de prendre 20 kilos de muscles, je peux te dire que lui, il va les atteindre. Et quand je te le dis comme ça te paraît logique. Tu vois ce que je veux dire? Mais dès qu'on parle d'argent, les gens deviennent bêtes, je te dis. Les gens deviennent bêtes. Donc, si le gars continue à aller à la salle de sport, si jamais il ne s'arrête pas et continue à faire ce qu'il fait, bah, il va les atteindre les 20 kilos. Il n'y a pas de magie. Bon, 20 kilos, c'est beaucoup, mais ça dépend... dépend d'où tu pars, mais bon, bref, c'est un exemple. T'as compris ce que je veux dire, ok? Bah pour l'argent, c'est la même chose. C'est en fait, les gens, ils oublient toujours le facteur temps, en fait. C'est le truc du temps, ça les dérange, en fait. S'ils voient que tu charbonnes, mais pendant un mois, t'es pas millionnaire, à dire, ah ben non, c'est mort. Mais non, mais ça n'a rien à voir, en fait. C'est le temps, elle fait partie de l'équation, en fait, pour pouvoir devenir millionnaire. Tu peux pas, il y en a qui voient millionnaire plus vite que d'autres, mais il y a toujours le facteur temps. Hein, j'ai déjà dit, pour pouvoir. Pour moi, de ce que j'ai vu, ça peut être plus rapide, plus lent, c'est 5 ans. Vraiment, ceux qui commencent à faire les premiers millions, c'est en 5 ans. Donc voilà, après, tu fais ce que tu veux. Donc, mais pour revenir à l'esprit millionnaire, donc qu'est-ce que c'est un esprit millionnaire et comment on fait du coup pour pouvoir avoir un esprit millionnaire? Bah, déjà, l'esprit millionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as ta manière de penser, déjà, tu es à l'opposé de tous les gens qui sont autour de toi. Ça, c'est clair et net. C'est tu penses production au lieu de consommation. Ça veut dire qu'au lieu de vouloir de passer ta journée sur Instagram, bah, tu vas plutôt passer ta journée à poster sur Instagram. Au lieu de regarder des vidéos toute la journée, bah, tu vas poster des vidéos sur YouTube. Okay? Au lieu d'acheter une baguette, tu vas te demander comment je peux faire. Je sais pas, au lieu d'acheter la baguette, la boulangerie, tu vas te demander comment je peux, moi, avoir ma boulangerie et faire des baguettes. Tu vas toujours être en mode comment je peux produire des choses au lieu de consommer naturellement. Parce que naturellement, on est créé, on nous a matrixé genre en mode pour des consommateurs constamment, en fait. Tu vois? Donc toi, la vie normale, c'est dans les gens, même moi avant, dans ta vie normale, c'est la consommation, en fait. Tu vis dans une vie de consommation, mais tu ne t'en rends même pas compte parce que c'est ton quotidien, tu crois que c'est la normalité. Mais le problème, c'est que c'est cool de consommer, mais si jamais tu es consommateur, je sais pas, tu fais que consommateur, à quel moment tu peux faire de l'argent? Tu es obligé de produire quelque chose, d'apporter de la valeur dans le monde pour pouvoir être rétribué en conséquence, tu vois? Tu vois, il n'y a pas le choix. Okay? Donc, un esprit millionnaire, c'est ça. Ta manière aussi de penser. De toute façon, c'est ça, c'est l'esprit millionnaire. Donc, c'est comment tu vas, ce que tu vas dire. C'est pour ça que, par exemple, à un commentaire, par exemple, sur Internet ou un truc comme ça, ou la manière dont tu vas parler, ce que tu vas dire, je vais tout de suite te dire, bon, bah, lui, c'est mort. Parce que la manière dont il pense, c'est pas comme ça qu'il va penser. Si un gars, il dit, ouais, je sais pas moi, les formations en ligne, c'est des arnaques, ou avoir un coach, c'est une arnaque, avoir un mentor, c'est une arnaque. Si jamais c'était possible, ça se saurait. C'est pas pour tout le monde ne peut pas réussir. Tous les trucs comme ça, c'est l'opposé de ce que pensent les millionnaires, en fait. Si tu penses que les livres sont inutiles, t'as pas besoin de livres, toi. Enfin, je veux dire, enfin après,
t'as pas besoin de connaissance en gros, ça veut dire. Tout ce que je viens de te dire, c'est des véhicules pour avoir la connaissance et pour pouvoir devenir une meilleure version de toi-même, pour pouvoir avoir des nouveaux résultats. Okay, parce que d'abord, il faut la connaissance et après, il faut implémenter la connaissance, d'où le facteur temps. Tu peux pas juste avoir la connaissance et parce que tu as la connaissance, boum, ça y est, t'es millionnaire. Tu vois. Je te donne toute la connaissance maintenant, je te l'injecte à la Matrix, ben, tu vas pas devenir millionnaire comme ça. Parce qu'il faut que tu agisses, il faut que tu passes à l'action. Tu vois. En plus, il faut que tu le testes, il faut que tu testes l'expérience. Hein. Certaines personnes parlent de livres, hein, ils racontent sur YouTube ce qu'ils ont lu dans leur livre, mais ils n'ont pas expérimenté ce dont ils parlent. Tu vois. Parce qu'après, sur le terrain, c'est autre chose. Le livre, il te transmet les connaissances générales bien. Et puis après, quand tu es sur le terre-terre, là, c'est différent. Tu vois, ah ben là, du coup, c'est plus comme ça. Ah, par rapport à moi, ma personnalité, ah, tu es obligé d'adapter, etc. etc. Okay? Mais du coup, si tu as un esprit millionnaire, ça te paraît logique qu'il faut que tu apprennes des choses. Les gens, ils veulent avoir des nouveaux résultats, mais rester la même personne. C'est impossible. Tu ne peux pas, en fait. Et même si ça arrive par hasard, genre grâce au loto, par exemple, tu restes la même personne, mais tu touches 1 million, tu vas le perdre 5 ans après. C'est ce qui arrive pour les joueurs de la NBA ou certains footballeurs. Si jamais ton esprit, tu ne l'augmentes pas, tu ne deviens pas une nouvelle personne, pour avoir la connaissance pour pouvoir gérer 1 million, ben, tu ne les feras pas. Que ce soit pour les créer, okay, hein, ou les maintenir si jamais tu gagnes au loto, par exemple. Okay, donc, par exemple, s'il y a un gars qui gagne au loto, la première chose qu'il doit faire, ben, c'est de lire et de comprendre comment fonctionne l'argent. Sinon, c'est mort. Okay, donc, c'est ça l'esprit millionnaire. Comprendre, entreprendre. Ne pas avoir peur d'entreprendre, ne pas avoir peur que les gens se moquent de toi, être un leader, ne pas avoir. Les gens vont se moquer de toi, ok, assumer la critique, ouais, comme Donald Trump, il se fait défoncer dans tous les sens. Il s'en bat les reins. Enfin, je ne sais pas s'il s'en bat les reins, mais en tout cas, il a les tu peux l'aimer ou pas l'aimer, mais il a les coronets pour pouvoir assumer toute cette pression et faire ce qu'il a envie de faire, tu vois. L'esprit millionnaire, c'est que bah, du coup, tu vas te payer en premier. Donc, ça veut dire quoi? Bah, mettre de l'argent 10 à 20% de côté et après l'investir. Pas laisser l'argent dormir sur ton compte, que ce soit en bourse long terme, que ce soit en crypto si jamais investis ce que tu peux perdre. Mais bon, voilà, ça m'étonnerait que le Bitcoin il se casse la figure dans un an. J'ai plus l'impression que les choses sont en train de se réguler. Donc, du coup, je vois pas comment les cryptos vont se casser la figure. Après, c'est sûr que si jamais tu investis dans des cryptos exotiques, bon, c'est autre chose. Mais au niveau des grosses cryptos, non, il y a trop de... Enfin, c'est ma conviction en tout cas, je vois pas comment tu peux pas le voir. Ils sont déjà en train de réglementer en fait, les cryptos. Donc s'ils sont en train de réglementer, c'est qu'ils ont déjà accepté les cryptos, ça va disparaître. Mais bon, moi ça c'est mon avis. Bref, mais en tout cas, tu penses en mode, tu te payes en premier et investir, comment je peux développer cet argent. Donc ça soit en toi en premier, évidemment, c'est mieux. Parce que toi, tu as un retour sur investissement qui peut être fois 1000%, mais tu peux aussi faire sur la bourse, sur rachat d'entreprise, bon, si jamais tu as suffisamment. Et en plus, forcément, il n'y a pas forcément besoin de cash pour pouvoir acheter, mais bon, ça, c'est encore le sujet. Je suis pas, j'ai pas les compétences pour pouvoir te dire comment faire, mais ou ça soit dans les cryptos, mais enfin, tu t'organises, tu vois. Okay? Donc, ça, c'est ça. Tu sais que l'attention attire l'argent. Okay, donc c'est pour ça que tout le monde, même Elon Musk, ils sont sur Twitter, ils sont sur les réseaux sociaux et c'est ce que je parle dans YouTube Money Machine. Okay, donc à un moment donné, les gars, avoir un esprit millionnaire, c'est juste faire l'opposé de ce que tout le monde fait. Ça veut dire passer à l'action, se former, quel que soit le véhicule de formation que tu veux, que ce soit livre, formation en ligne, mentor, qu'est-ce qu'il y a d'autre, mastermind, tout ce que tu veux. Okay, je veux dire, tout est sur Internet aujourd'hui. Je veux dire, si tu peux pas, tu veux chercher une info, tu veux savoir comment faire un truc, tu as tout, tu as des formations en pagaille sur tous les thèmes possibles. Même sur comment faire pousser des tomates, je ne sais pas où. Donc, quand tu as un esprit millionnaire, tu gères bien tes finances, ok? Tu apprends du coup à savoir comment gérer tes finances. Donc, en gros, quand tu as une question que tu n'as pas la réponse, bah, tu la cherches. Tu vois, quand tu as un esprit millionnaire, bah, c'est ce que tu fais. Tu n'es pas là, oh, mais je ne sais pas comment faire. Oh. Bah, tu vas, tu tapes sur Google, tu trouves une solution. En fait, tu vas toujours trouver une solution. Tu vois, donc tu sais comment gérer ton argent, tu sais comment l'investir. Ok, tu passes à l'action, tu crées ton business. Parce que devenir millionnaire sans créer un business, ça va être compliqué, les gars. Et tu passes à l'action massivement. Mais ce qui se passe, c'est qu'après, c'est pas parce que tu as un esprit millionnaire aujourd'hui que par exemple, tu as regardé ma vidéo, que tu es OK avec moi, tu dis, ah ben ouais, je comprends pas, mais j'ai tout ce que tu m'as dit, je suis comme ça. Ok? Bah oui, mais du coup, maintenant, eh ben, il faut attendre. Parce qu'en fait, il y a un laps de temps entre le moment où tu intègres tout ça que tu mets en place tout ça dans ta vie et le temps qu'après, ça arrive. Tu vois, ça n'arrive pas du jour au lendemain, tu vois. Et c'est pour ça qu'on peut dire, bah, lui, il va devenir millionnaire. Parce que tu vois qu'il a des actions qui se mettent en place et que forcément, bah, à un moment donné, avec le facteur temps, eh ben, il va devenir millionnaire. Quel que soit le temps que ça doit prendre, tu vois. Donc, je ne peux pas te dire, toi, ce sera dans 2 ans, toi, ce sera dans 5 ans, toi, ce sera dans 4 ans. Je ne peux pas.
Ça dépend des gens, ça dépend du marché où tu es, ça dépend du business que tu as, ça dépend du temps, de temps que tu te mets, ça dépend de la manière que tu pivotes rapidement. Enfin, il y a plein d'éléments. Tu vois, le business, c'est complexe comme ça pour pouvoir annoncer, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va arriver. Donc, si jamais tu es dans ce cas-là, mec, sois patient. Juste continue, lâche rien. Déjà, tu génères du cash déjà. Forcément, si jamais tu vois ce que je... Si tu fais tout ce que je viens de te dire, tu es obligé de, générer du cash. OK? Après, comment faire pour pouvoir avoir un esprit millionnaire? Il y a aussi le facteur de... déjà, ma formation de médecine millionnaire, où je t'ai fait un concentré, je te dis exactement comment vraiment casser toutes tes barrières psychologiques. Si tu n'as pas les résultats que tu veux aujourd'hui, ou si jamais tu as pris une formation, tu n'as pas les résultats que tu voudrais avoir, etc. C'est parce que tu as les blocages. Bref, tu as ma formation de médecine millionnaire, je t'explique tout ça. Ça, c'est au passage, petite pub. Et surtout aussi ton entourage. Ton entourage, c'est super important. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Quelles sont les personnes qui sont autour de toi? Est-ce que les personnes qui sont autour de toi, ils n'ont pas besoin d'être millionnaires, okay? Ils n'ont pas besoin d'être millionnaires. C'est sûr que ce serait bien si jamais ils étaient millionnaires. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, il n'y a pas de juste. La vie est injuste. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. C'est la vie et fait que si jamais tu n'as rien à apporter à un millionnaire, il n'y a pas de raison que vous soyez amis, à moins que c'est un ami d'enfance, etc., qu'il est devenu millionnaire et que toi, du coup, déjà, tu as déconné parce que tu aurais dû suivre et le croire quand il t'a dit qu'il voulait le devenir et suivre ses pas et travailler avec lui au moins. Et tu aurais pu aussi devenir millionnaire ou en tout cas gagner très bien ta vie. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. Mais je veux dire, un millionnaire, voilà, avoir des amis millionnaires autour de toi, toi, tu ne l'es pas. Quel est l'intérêt pour eux, en fait? Toi, tu as un intérêt parce que tu veux avoir des informations, tu veux être entouré d'eux, etc. Tu as un intérêt, tu vois. Dans toutes les relations, et après, on dit, ouais, mais c'est pas bien, ça veut dire, ouais, c'est des bâtards. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que même toi, avec tes amis, si vous êtes amis, c'est parce que vous trouvez votre compte, en fait. Il y a un échange, en fait, qui se fait de valeur que tu saches pas, que ce soit parce que tu passes un bon moment, parce qu'il te fait rire, parce qu'il est cool, parce qu'il est. J'en sais rien. Tu vois, mais il y a un truc qui fait que, genre, c'est un échange de bons procédés, en fait. OK? Donc, du coup, voilà, avoir des amis millionnaires, ça va être compliqué. Mais par contre, tu peux analyser autour de toi et savoir, OK, les gens qui sont autour de moi, est-ce que c'est plus des gars qui veulent gérer le plus de go possible, OK, le plus de meufs possible? Est-ce que c'est des gars qui veulent être les plus thug possible, hein, les plus kaira possible, ils veulent frapper tout le monde, ils veulent tuer les gens, etc. Est-ce que c'est ça le truc où ils veulent se faire respecter dans leur quartier, je sais pas quoi, j'en sais rien, tu vois? Est-ce que c'est des gens qui veulent juste faire des barbecues toute la vie? C'est la vie, faire des barbecues. Hein, c'est un exemple. Ou sortir en soirée. Leur but, c'est de sortir en soirée, etc. Okay? Ou est-ce que c'est des gens qui veulent tout déchirer dans la life, mais qui veulent faire de l'oseille? Bah, avec qui tu vas traîner? Je te laisse un petit temps de réflexion. Bah, tu vas traîner avec la personne qui fait fort du zéo. Bah, voilà. Bah, c'est aussi simple que ça, tu vois. Et si jamais vous êtes un groupe où vous avez faim, vous voulez tout péter, mais frérot, ça, c'est un truc de magique. Je veux dire, quand on est plusieurs, quand tu es tout seul, tu avances, mais à plusieurs, les gars, c'est... J'imagine si jamais j'avais, je sais pas, quand j'ai commencé le business, j'avais d'autres gars genre, qui étaient comme moi dans le même mindset. Mais frérot, on aurait tout pété. C'est un truc de malade. Ce serait un truc de malade. T'imagines des Jonathan, 3-4 comme ça, on est ensemble. Bah, déjà, on aurait travaillé ensemble. On aurait multiplié les trucs. Déjà, moi, je fais une vidéo par jour. J'imagine, j'ai un autre gars comme ça qui est aussi déter, machin. Ça aurait été un truc de malade. Okay, donc, entoure-toi de personnes bah, du coup, qui ont faim et qui veulent tout péter dans la live, qui veulent faire de l'oseille, en fait. Si jamais tu es entouré de gars qui n'ont rien à voir, tu vois, c'est un esprit, il y a différents esprits, les gars. Esprit de meuf, esprit d'aller en partie. Ils vont être super experts pour pouvoir gérer les parties, aller en partie, aller en soirée. Voilà, quand je dis partie, c'est en anglais, en fait. Mais aller en soirée, etc., tu vois. Mais voilà, mais sache en tout cas, et je ne sais pas pourquoi c'est super sous-estimé, parce que ça, en fait, il faut travailler, en fait. Tu vois. Bah déjà, il faut apprendre, parce qu'il faut changer toutes ces croyances, parce que du coup, les croyances populaires qu'on nous enseigne depuis tout petit, ou les gens qui sont autour de toi, bah, ils t'enseignent pas du tout, ils t'enseignent l'opposé d'un esprit millionnaire. Donc du coup, bah, forcément, bah, c'est pour ça que tout le monde est pauvre. Okay. Et puis après, je pense que les gens, une fois qu'ils l'ont, ils disent « ouais, c'est relou », ils essaient de trouver des excuses parce qu'ils trouvent que ça prend trop de temps. Mais en fait, tout prend du temps dans la vie. T'as beau regarde bien, hein. Tout ce que tu vas vouloir faire, ça va prendre du temps. Tu veux une augmentation dans ton travail en tant que salarié, tu ne l'auras pas dans un an, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, dans tous les cas, les gens, ils font des styles comme si ça prend du temps de créer un business et machin. En 5 ans, frérot, t'as plié le game. En fait, tu as plié ta vie, enfin, par rapport au monde du salariat, tu as tout plié. Après, dans le monde de l'entrepreneuriat, bon, ben, je veux dire, c'est infini.
C'est sûr que tu rentres dans le monde du salariat, voilà, tu fais 10K, bah c'est cool, déjà c'est super. Tu fais 10K par mois, c'est super. Okay? Après, c'est sûr qu'il y a des gars qui font des 100K, des 200K par mois, et des, après, multimillionnaires. Oui, c'est sûr. Mais déjà, rappelle-toi d'où tu es parti. Frérot, tu étais à 2000 euros par mois. C'est pas même la style. Hein. Tu peux voyager où tu veux, tu fais ce que tu veux. Et je veux dire, les gars, à un moment donné, ok, on veut toujours viser plus haut, mais n'oubliez pas d'où vous êtes parti. Okay? Donc, et tout prend du temps. Donc, que ce soit salarié, que tu veux faire des études, tu veux faire docteur, bac plus 10, que tu veux être footballeur professionnel, que tu veux faire musicien professionnel, tout ce que tu veux, gars, ça prend toujours des années. Ça prend les mêmes temps. Gars, ça prend pratiquement le même temps à chaque fois. Que ce soit un musicien professionnel, les gars, avec qui j'étais, parce que je suis un musicien, les gars, pour ceux qui ont oublié et ne savent pas, mes potes qui sont venus... Genre intermittent, tout ça, machin, je sais pas, ça a pour moi 5 ans, minimum, depuis qu'on s'est connus. Alors que ça veut dire, au moment où c'est connu, ça veut dire qu'on jouait déjà. Ça veut dire qu'on jouait déjà. Le temps, mais gars, mais ça prend trop de temps. Le temps de comprendre, ok, faut taffer comme ça, ah, c'est comme ça que le game il est, le temps d'aller dans les jam sessions, tout ça, se faire connaître, avoir un premier plan, hop, machin, on te connaît, ah, il est carré, tu comprends comment avoir des plans, comment s'introduire. Enfin, tous les games prennent du temps, les gars. Donc moi, je sais pas, moi, je ne comprends pas. Donc d'abord, un esprit millionnaire, les gars, et après, ça se matérialise à l'extérieur, tôt ou tard. Ok, donc soit passant, si jamais c'est pas encore le cas, si jamais tu es en train de charbonner, les gars, lâche pas, mon gars, lâche pas, ça en vaut le coup. Clairement, ça en vaut le coup. Ok, et puis pour les autres, les gars, de toute façon, la chaîne, elle est là pour ça, les gars. On fait le chemin ensemble, les gars. Un plaisir, les gars, que vous m'accompagnez sur ce chemin. Ça fait toujours plaisir. Je vous cache pas que si jamais je suis millionnaire, je vous le dirai pas. Parce que j'ai pas envie d'attirer spécialement l'attention. C'est pas trop mon truc. Tout ce que je peux te dire pour les vrais qui voient cette vidéo, tout ce que je peux te dire, c'est le jour où tu me verras avec une Bentley GT coupée, blanc nacré et un condo à Miami. C'est que normalement, la case millionnaire, ça a été checké. Check. Ok. Pas parce que genre j'ai acheté la Bentley ou le condo. C'est juste parce que j'aurais placé mon argent. Ok. Donc le million, là, je l'aurais sûrement placé, hein, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Qui va me rapporter des revenus passifs pour pouvoir avoir ce lifestyle-là. Parce que sinon, je l'achèterai pas. Ça veut dire si ce n'est pas mes revenus passifs. Enfin, c'est pas si je l'achèterai pas. Si je n'ai pas mes revenus passifs qui me permettent de... je vais pouvoir avoir cette voiture-là, que ce soit leasing et louer l'appartement, je ne le ferai pas. Je prendrai un truc, je resterai pauvre. Je ne montrerai pas mon lifestyle, en tout cas, avec ce que mes entreprises génèrent. Ce sera juste toujours mes revenus passifs. Donc, le jour où tu vois que j'ai ce que je viens de te dire, c'est que j'ai au moins 10 000 euros de revenus passifs. Et si j'ai au moins 10 000 euros de revenus passifs, c'est que j'ai au moins 1 million placé, même plus, sur quelque part. Voilà, que ce soit en immobilier ou en bourse. Ok. Donc voilà les gars, soit c'était la petite parenthèse, petite anecdote comme tu les aimes. Donc voilà les gars, c'est tout ce que je vais partager avec toi les gars. Donc travaille sur votre... avoir un esprit millionnaire. Tu as la formation médecin millionnaire, en plus si jamais tu veux aller plus vite. Mais après, sinon, tu peux lire des livres aussi. Plein de livres sur le sujet les gars, je vous laisse faire vos recherches. Donc les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Dis-moi aussi ce que tu en penses, parce que là c'est une vidéo conversation. J'ai allumé la caméra et j'ai juste parlé, tonton. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Ok, et si jamais tu veux faire de l'oseille, tu veux commencer à charbonner, parce que plus tu attends, bah plus tu repousses le moment où tu vas faire de l'argent. Hein, c'est parce que ça prend 2-5 ans, ça n'ira pas plus vite que tout le monde. Hein. C'est des épiphénomènes les autres. Et ceux qui réussissent en général plus vite, c'est parce qu'ils ont déjà fait des business avant, ils ont déjà échoué avant. Et si jamais tu veux passer à l'action, tu as ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée. Ok, tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin, ou sinon, lance-toi dans autre chose. Si jamais ce n'est pas ce que tu veux faire, prends une autre formation, tu veux faire du trading, j'en sais rien, du commerce. Mais en tout cas, fais quelque chose, tonton. Sinon, il ne va rien se passer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et à nous. Je suis ton camp.